Avec plaisir. Une vaste question, probablement, mais enfin, je peux leur dire déjà que j'ai 54 ans. J'ai quatre enfants avec Huguette. Nous avons deux petits-enfants aussi qui font notre bonheur. Mais ceci étant dit, je voudrais continuer à m'engager pour Forbach. Alors, ma vie professionnelle, je l'ai consacrée aux autres. Je suis directeur d'une agence Pôle emploi. Et ce qui me motive vraiment, ce sont des valeurs que je porte dans ma vie de tous les jours et que j'ai envie de porter, bien entendu, pour ma ville de Forbach, la ville que j'aime. Ce sont les valeurs, tout simplement, les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi la solidarité, qui est un élément important, à mon sens, pour la société, pour vivre en société, et la laïcité, qu'il ne faut pas oublier, dans la mesure où c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, quelles que soient nos différences, quoi. Ma vision des choses, c'est tout simplement écouter les autres. Grâce à cette écoute, pouvoir construire en commun avec eux des projets et surtout ne fermer aucune porte, rester ouvert à toutes les discussions, à toutes les propositions. Écoutez, ça va de soi. Je me suis rendu disponible durant ces 11 ans de mandat, bien sûr, tout en exerçant mon activité professionnelle, mais j'ai investi mes congés, mon temps libre du week-end, mes soirées dans l'action municipale. Et ça va de soi que si je suis du maire d'une ville de 22 000 habitants, je serai un maire à temps plein, j'arrêterai mon activité professionnelle, je me consacrerai entièrement au Forbachois et à ma ville. Écoutez, recevoir les habitants, ça fait partie, je veux dire, des indispensables, des incontournables de la vie municipale. Je l'ai fait depuis 11 ans, tous les samedis matins, à ma permanence, avec ou sans rendez-vous, et je ne vois pas comment je pourrais faire autrement que de continuer à les recevoir. Si les Forbachois me font confiance, pardon, et que je suis élu maire, je veux dire, c'est ce lien intime presque qu'il faut avoir avec ses concitoyens qui permet de nourrir la réflexion, qui permet de côtoyer, enfin, de vivre avec eux leur quotidien, enfin de partager avec eux leur quotidien et pour pouvoir inspirer l'action municipale, ça va de soi. Je veux bien sûr aller plus loin. Si je veux être un maire disponible, il faut que toute mon équipe soit disponible aussi pour mes concitoyens. Et ce sera un critère important de choix des personnes qui m'accompagneront sur la liste, hein, c'est leur disponibilité pour Forbach et pour mes concitoyens. C'est un plaisir pour moi.